merci beaucoup d'être venu à cette nouvelle séance de notre ciné-club, la caméra du philosophe. Je rappelle pour ceux qui n'en connaissent pas le principe que ce ciné-club est organisé ici à l'Institut catholique de Paris, par l'Institut catholique de Paris, en partenariat avec l'association Recherche Mimétique, qui est une association de recherche qui diffuse et développe la théorie mimétique issue des travaux de René Girard, qui sont très pertinents pour interpréter, à côté d'autres grilles de lecture, le cinéma, ce que Girard n'avait lui pas fait. Nous nous appliquons à le faire dans son sillage, en alternance avec d'autres séances qui sont organisées par des philosophes, professeurs à l'Institut, à la faculté de philosophie de l'ICP. C'est un philosophe qui vient ce soir nous présenter ce film de Richard Lindau, Walter Faber, film de 2014. Jérôme Lèvre, que je suis très heureux de vous présenter. Jérôme a longtemps été directeur de programme au Collège de philosophie à Paris. Il enseigne la philosophie en classe préparatoire. Il a déjà une œuvre bien installée, des travaux et des livres magnifiques autour de la vitesse, de l'immobilité, récemment de la prolifération des scandales et des enjeux qu'il pose pour la démocratie. Il est aussi un grand cinéphile et grand amateur de ciné-club, et c'est à ce titre que nous l'avons invité. Je le remercie infiniment d'avoir bien voulu venir nous présenter ce film. À l'issue de la projection, comme d'habitude, puisque c'est notre rituel, Jérôme présentera en quelques minutes, en 15 minutes, un quart d'heure, son interprétation du film, pour que nous puissions ensuite en débattre ensemble. Je vous remercie. Bonsoir, merci d'être là et puis merci à l'association de recherche mimétique et puis à Emmanuel Chantre qui organise ce ciné-club et je sais le travail que c'est pour être occupé de celui du Collège international de philo. Donc merci beaucoup, je remercie Benoît Chantre aussi qui est à côté de moi. Alors j'ai choisi ce film parce qu'en quelque sorte, quand je l'ai vu, je l'ai vu à Locarno. Richard Lindau est suisse. Et donc en fait, c'était à l'occasion d'une sorte de rétrospective de son œuvre hein, qui est importante. Vous verrez l'effet qu'il vous fera, mais depuis j'y reviens sans arrêt. Mais enfin, il m'a fait une impression extrêmement forte immédiatement. Par la beauté des images et de la musique déjà, puis après voilà, il y a le sens, hein, celui qu'on va essayer de dégager ensemble après avoir vu ce film. En ce qui concerne Richard Lindau lui-même, c'est un autodidacte hein, qui a un certain âge maintenant, donc en fait il était tout jeune au moment de 68, et puis en fait il a passé son temps au cinéma, il allait bien plus au cinéma qu'à l'école. Et ensuite, il a fait ses propres films, et comme beaucoup d'autodidactes, c'est un très très grand lecteur. Et la plupart de ses films sont des adaptations d'œuvres littéraires. Et vous verrez que sa manière d'adapter n'est pareille à aucune autre. Hein. Je pourrais comparer tout à l'heure, il y a un autre film de Schlöndorff sur ce roman de Max Frisch, un autre film qui me semble, enfin, je ne suis pas le seul, assez raté. Et pour des raisons qui sont assez précises, et celui-là, voilà, ça s'y prend d'une manière qui est complètement originale. Donc la facture même du film vaut vraiment la peine d'être observée ou tout simplement vécue. Et donc, il y a une très grande présence, même si là on est obligé de le voir en français, parce que vous l'avez vu, il n'y a pas de sous-titrage pour la version allemande. C'est dommage parce que le texte allemand est magnifique, mais le texte français, la traduction est bien aussi. Le roman en question, en fait, il n'est pas forcément extrêmement connu en France. Dans les pays germaniques, en fait, au niveau du lycée, tout le monde a lu Homo Faber. Hein. Et le propre de Frisch, c'est de toujours être dans une littérature qui sous-tend quantité de réflexions et de connaissances philosophiques, mais évidemment tout ça est entièrement intégré dans le récit hein, et dans une,
dans une langue et dans une manière de faire défiler les choses, de raconter les histoires qui est aussi assez extraordinaire. Donc voilà, je trouvais que c'était une grande rencontre entre un auteur et un cinéaste. J'aime tellement ce film qu'une fois je fais un cours qui a duré 3-4 mois dessus et je fais venir Richard Bindo pour parler à mes étudiants. Il est souvent à Paris, j'aurais bien proposé de venir. Le seul problème, c'est quand il commence à parler, après il ne s'arrête plus. Donc moi-même, j'aurais pas pu placer le moindre mot. Donc il y avait une sorte d'alternative. Et bon, donc ce sera pour une autre fois. Mais en tout cas, voilà, il est avec nous d'une certaine manière avec ce film que personnellement j'adore et j'espère qu'il vous plaira. Donc bonne séance. Bon, je ne sais pas ce que vous avez pensé en particulier de la fin. Elle me fait toujours un effet extrêmement fort. Cette déploration, je pense que le texte de Max Frisch, le texte en allemand, est d'une beauté. Enfin, c'est un très très grand texte de littérature. Et, bon, je ne sais pas si. Voilà. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de ce film, de parler aussi également du roman, parce que l'adaptation d'un roman fait certains choix, insiste sur certaines choses, en laisse d'autres. Là, le choix très, très net de Dindo, hein, et c'est un peu toute sa carrière, c'est filmer les femmes. C'est le portrait, hein, comme vous pouvez le voir, avec cette alternance d'images fixes et d'images en mouvement, avec quelquefois hein, aussi leur voix qu'on entend. Ici, là, le film, comme le roman, c'est une manière finalement assez étrange et percutante de lier deux choses qu'on lit pas immédiatement, qui sont l'amour et la technique. Donc, Faber, c'est l'homme en tant qu'il fabrique. Et là, finalement, il s'agit de sa relation avec les femmes, sachant que l'amour, c'est évidemment aussi un... Enfin, ces deux thèmes, amour, technique, sont des grands thèmes de Max Frisch, hein, qui reprend avec dans un cadre qui est celui aussi de la pensée après Heidegger, hein, de ce qu'avait pu dire Heidegger sur la technique. Alors, bien sûr, là, c'est... si on voit ce film, c'est parce que c'est grâce à cette association de recherche mimétique, hein, qui nous met dans une autre ambiance, qui est celle d'un autre philosophe, qui est celle de René Girard, mais qui est évidemment un immense philosophe du désir et de l'amour. Le côté girardien du film ne saute pas immédiatement aux yeux. Pourquoi ? Parce que chez René Girard, il faut que pour qu'il y ait désir, qu'il y ait une structure triangulaire où l'un désire quelqu'un d'autre, ça fait déjà deux, et puis un troisième va s'identifier à celui qui désire et va désirer le désir de l'autre, hein, ce qui va créer à la fois un désir mimétique par rapport à ce modèle désirant, et puis aussi le fait que ce modèle désirant est obstacle, donc une rivalité mimétique entre deux êtres désirant le même objet ou la même personne, d'où le risque, le grand risque de la violence, hein, qui elle-même ensuite voilà, peut croître, aller jusque d'un point de vue social jusqu'au sacrifice. Bon, alors évidemment, là, le sacrifice, il est présent, je vais en parler dans deux secondes, sous une forme un petit peu étrange, hein, mais on voit pas trop la structure triangulaire. Il n'y a pas de rivalité dans ce désir tel qu'il est montré ici. Et sans connaître à fond René Girard, il me semble assez net que s'il y a une forme d'amour qui justement n'est pas du désir, normalement n'est pas du désir, et qui du coup ne peut pas entrer véritablement dans cette structure-là, et qui du coup ne génère pas de violence, c'est celui que les parents éprouvent pour les enfants. Il n'y a pas de rivalité dans cette structure-là. Et normalement, et en toute logique, il n'y a pas de sacrifice non plus dans ce sens-là. Hein. Et pourtant, là, il s'agit bien de cela. Alors, pour résoudre un petit peu ce mystère, je ferai référence à
ce qu'a pu dire Michel Serres en réponse à René Girard, quand René Girard est entré à l'Académie française, où justement il disait je vais apporter un petit complément à la théorie de René Girard, c'est de parler de la technique. Hein. En disant bah, finalement, s'il peut y avoir rivalité mimétique, désir mimétique, etc., aujourd'hui la mimésis, c'est la mimésis absolue, c'est-à-dire la répétition dans la production technique, le fait qu'on produise à l'infini les mêmes objets, avec cet immense mystère que ces objets, il faut qu'on arrive à les faire désirer, il faut que les gens les désirent, et d'une certaine manière, ça marche. Et alors pour ça, bon, évidemment, on peut inclure hein, des personnages comme dans la publicité. Alors on ne désire pas directement l'objet, mais en fait on désire la personne qui désire l'objet, hein, qui sera toujours une jolie jeune femme ou un jeune homme, où on a envie d'être comme lui, et c'est comme ça qu'on achète l'objet. Bon. Il n'empêche que voilà, la répétition, le désir aujourd'hui, c'est en grande partie, c'est ce qu'explique Michel Serres, voilà, a été pris, capté par ce mode d'imitation très particulier où il y a en effet un modèle qui est le prototype et puis après il se reproduit pour faire quantité d'objets qui sont tous les mêmes et donc ne devrait pas y avoir de rivalité parce qu'à la rigueur ils sont indéfiniment les mêmes. Et ce que demande Michel Serres à partir de là, et c'est aussi c'est l'interrogation du film aussi, hein, c'est bon, évidemment on ne trouve pas véritablement son désir dans les objets que la technique nous propose, et ça nous fait que rendre encore plus mystérieuse la possibilité du bonheur. On ne sait plus exactement où on pourrait trouver son bonheur. Bon. Et là, déjà, on est, me semble-t-il, en plein dans la question de ce film, surtout si on regarde le roman qui est derrière, où il est question de l'amour, mais de manière bien plus équilibrée, avec la question de la technique, hein, le fait que Mofaber est une sorte voilà, d'incarnation de l'homme moderne, et qu'il est ingénieur, hein, et qu'il comprend tout sous forme de machines, de mécanismes, etc. Et donc il s'agit de voir comment celui qui est, en quelque sorte, l'auteur permanent de la technique, cet Homo Faber, peut encore désirer, s'il le peut encore, et que devient l'amour sous l'effet de cette technique-là. Hein, c'est moins présent dans le film, et c'est ça qui est largement aussi présent que la question directe de l'amour ou des femmes dans le roman lui-même. Bon. Alors, l'idée du roman qui est reprise ici, hein, c'est que finalement, la technique est un destin. Bon, l'idée qui travaille de Guérienne, c'est un destin, mais en même temps, c'est un destin qui ne peut pas vraiment se concevoir comme tel. Homo Faber ne cesse de nier hein, ce que ne fait pas le roman lui-même. Il le prend même dans toutes ses dimensions. Hein, je dirais la destinée choisie par un dieu biblique, de la destinée grecque et de ce que cet héritage gréco-juif peut devenir dans la modernité. L'héritage juif, biblique, on ne le sent pas dans le film, parce qu'on ne peut pas tout montrer dans un film, et même dans le roman c'est assez discret. Mais il y a un moment par lequel commence Schlondorf dans son interprétation à lui, parce que c'est le début du roman, le vrai début du roman qu'on ne voit pas ici, que vous n'avez pas vu, où en fait, Homo Faber doit prendre un avion et il est en train de faire une escale et en fait, il est en retard. Et du coup, il est appelé par une hôtesse de l'aéroport, qui est en fait l'hôtesse de l'air, parce que c'est un petit avion, hein, ce sera aussi après dans l'avion. Et elle l'appelle dans tout l'aéroport avec un micro, hein, et elle le dit plusieurs fois, « Passenger Faber » en anglais. Et cet appel-là, répété comme cela, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est la même chose que ce qu'il y a dans la Bible quand Dieu appelle Abraham deux fois. C'est une grande interrogation pour Kierkegaard. Pourquoi deux fois? Pourquoi est-ce qu'il faut s'y prendre à deux fois? Bon, il faut une répétition, il faut quelque chose qui est de l'ordre de la répétition pour que Abraham, en fait, se décide à entendre. Et se décide à entendre et dise « me voici ». Prenant du coup la responsabilité immense de s'ouvrir à ce qu'on va lui dire, hein, et ce qu'on va lui dire, c'est ce que lui dit Dieu, c'est de sacrifier son fils. Dans la mesure où là, en fait, on ne s'en rend pas compte ici, mais dans le roman, et ce serait long de vous expliquer pourquoi, mais qu'importe, c'est le fait qu'il prenne cet avion qui va déclencher tout le reste, enfin, qui va en fait déclencher sa rencontre avec sa bête. Cet appel de l'hôtesse de l'air, en fait,
déclenche d'une certaine manière la mort de sa fille. Donc il y a ce côté biblique, il y a le côté grec sur lequel je n'insiste pas, parce que là pour le coup il est extrêmement présent. On est en particulier le fait qu'elle se fasse mordre par un serpent qui en fait, c'est pas ici mais c'est dans le roman, à un moment ils vont visiter ensemble dans le musée une érinie, hein, et donc on voit pas encore le serpent, et après elle se fait mordre par un serpent. Ils sont à Corinthe, et Corinthe, c'est la ville où Édipe a vécu. C'est pas celle d'où il vient, Thèbes, mais c'est celle où il a vécu. Et donc, on est dans une tragédie grecque, avec un inceste comme ça qui se dévoile, avec toujours cette même idée qu'on le sait depuis... Enfin, ça va de soi. Il faut un temps fou pour que l'auteur de l'inceste simplement voit de manière évidente la vérité, tout en répétant sans arrêt, dans le roman comme dans le film, qu'il voit rien. C'est le propre d'Homo Faber de voir ce qu'il voit, et du coup de ne rien voir. Et alors donc, ça, qu'est-ce que ça devient sous l'effet de la technique, hein? Cet homme qui pense que tout est probabilité, et que donc rien n'est destin. Et donc, la seule chose, c'est que les probabilités deviennent de plus en plus improbables. C'est très improbable qu'il rencontre sa fille, qu'il ne connaît même pas, il ne sait même pas qu'il a une fille. C'est improbable aussi qu'elle meure, puisque le médecin lui explique en fait qu'il n'y a que 10% de gens qui meurent de la morsure de ce serpent-là. Et il se dit alors, en bon calcul de probabilité, même si elle meurt, de toute façon, ça n'aura pas de sens. Elle sera simplement 1 sur 10. Et c'est ce qu'elle explique à Anna, et c'est pour ça qu'Anna lui répond, mais moi j'ai qu'une fille, j'en ai pas 100. Le destin est en permanence nié par la technique. Et il ne s'agit pas véritablement en fait, de le rétablir. Il s'agit de rester dans cette sorte de doute qui est maintenant, dans notre époque, au sens historial, de souveraineté de la technique, qui est devenu le destin pour nous. Est-ce que nous sommes encore capables de comprendre ce qu'est un destin? Ou est-ce que pour nous, finalement, tout accident, toute mort, etc., n'est jamais qu'une question de probabilité, toute rencontre. Et là, de ce point de vue-là, il n'y a pas de réponse donnée nulle part. Il n'est pas question de donner une réponse, il s'agit juste de relancer ce problème, sachant que le problème de Faber, c'est que sa propre vision des choses, en fait, au bout du compte, ne fait pas sens. Et c'est ça sur quoi aussi je pense qu'il faut insister, c'est un thème qu'on trouve chez Heidegger, qu'on trouve aussi chez Benjamin, cette idée que la technique a appauvri considérablement le sens de l'existence. Ce que Benjamin appelle l'appauvrissement de l'expérience. Et il y a deux mots pour expérience en allemand, en fait. Il y a Erfahrung, qui est l'expérience au sens large, et puis il y a Erlebnis, qui est l'expérience vécue, ce que l'on vit directement. Et cette expérience vécue, Benjamin explique qu'elle a été complètement détruite à partir de la Première Guerre mondiale, à tel point que ceux qui en reviennent n'arrivent même pas à raconter ce qu'ils ont vécu. Et Benjamin dit, c'est peut-être là, c'est la fin de l'histoire. C'est la fin de la capacité à raconter des histoires. Et Max Frisch connaît très bien ce texte. C'est pour ça qu'on a au tout début, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce qu'il y a cette phrase qu'on ne comprend pas, en fait, où Faber dit... Bon, voilà, les agaves sont des agaves, les montagnes sont des montagnes, à quoi bon les métaphores, tout ça, etc. Et il dit, de toute façon, moi, l'expérience, je n'y crois pas. Alors on se dit, mais bon, c'est un technicien, c'est un calculateur, c'est scientifique, l'expérience, j'y crois pas, on ne voit pas du tout le sens. C'est parce qu'en fait, il aurait fallu traduire par l'expérience vécue, je n'y crois pas. C'est pas à l'Erfahrung qui ne croit pas, c'est à l'Erlebnis. Tout simplement, pour lui, le vécu, le psychologique, tout ça, etc., bon, c'est pas ça qui est intéressant dans la vie. Ce qui est intéressant, ce sont les machines, les calculs, la cybernétique, etc. Donc, carrément, son expérience s'est appauvrie à un tel point que finalement, pour lui, c'est inessentiel. D'où son expérience avec les femmes, le fait qu'il ne les comprend absolument pas. Et qu'à la rigueur, il l'a admis une bonne fois pour toutes. Il dit dans le roman qu'il n'a jamais rien compris aux femmes, et à la rigueur, tant pis, que ce n'est pas sa préoccupation première, parce que justement, voilà, il n'arrive pas à les calculer, si vous voulez. Il ne trouve pas maîtrisable, tout devrait s'expliquer de manière cybernétique, etc. Mais en amour, ça ne marche pas. Bon, alors, voilà, ça fait partie des petits mystères de l'expérience vécue, mais qui pour lui ne sont pas très importants. C'est poussé, je dirais, chez lui jusqu'à ce qu'on pourrait nommer une forme de bêtise.
En fait, littéralement, dans le roman, il le dit, à un moment, j'ai fait une bêtise. Il s'en veut de l'avoir faite. C'est ce qu'il a dit à Anna quand elle lui a dit qu'elle était enceinte. Où il lui dit, alors, si nous avons un enfant, nous allons devoir nous marier. Même si tu as un enfant, alors nous allons devoir nous marier. Et donc, elle lui reproche deux choses. Nous allons devoir nous marier. Et puis, la différence entre tu et nous. Hein. Si tu vas avoir un enfant, comme si ça n'allait pas être le sien. Hein. Voilà, il se dit, j'ai fait une bêtise. Mais voilà, c'est la bêtise même, en fait, hein, de finalement d'être incapable d'aller jusqu'au nous, hein, et de présenter l'acte d'amour ou les conséquences de l'amour comme en faisant partie, hein, et simplement sous la forme d'une implication logique. Alors, si tu vas avoir un enfant, alors nous devons nous marier. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, on est juste avant la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas de couple qui peut avoir des enfants sans se marier. Comme elle refuse, d'ailleurs, ça lui coûte son passeport. Hein, donc, son passeport suisse. Parce qu'évidemment, un passeport suisse au moment de la Seconde Guerre mondiale, ça pouvait être extrêmement utile. Mais bon, puisqu'elle lui a dit ça, elle préfère ne pas avoir son passeport. Et donc, elle risque sa vie, en fait. Hein. Il se trouve qu'elle n'est pas déportée, mais elle aurait pu l'être. Bon. Cette perte de sens, on la retrouve dans sa tendance, finalement, à la tautologie. Parce que ça se résume à ça. Hein. Quand il dit les agaves sont des agaves, les rochers sont des rochers. Bon. On pourrait continuer, les femmes sont des femmes, etc. La tautologie, c'est le début de la répétition. Hein, c'est dire deux fois la même chose. Alors, rien ne paraît plus vrai. Hein, rien ne paraît plus vrai parce qu'en fait, on n'a rien dit. Hein, c'est le principe de la tautologie, c'est que c'est d'autant plus vrai que ça ne fait absolument pas de sens. Et à chaque fois qu'il dit « je vois les choses comme elles sont », voilà, les choses sont ce qu'elles sont, c'est complètement tautologique. Donc, cette tautologie, c'est ce qui fait en fait qu'il n'accède pas au sens. Et qu'il n'accède pas à l'art, qu'il n'accède pas à la littérature, c'est aussi dans le roman, que justement il ne supporte pas les romans. Bon. De cette sorte de réalisme, hein, on arrive au fait que celui qui est réaliste à ce point, calculateur, technicien à ce point, finalement n'accède absolument pas au sens. D'où le fait que lui-même ne cesse de dire « je vois ce que je vois », mais en même temps, « je ne vois rien, je n'ai pas vu ». Vous voyez, pour Zabeth, elle était de dos, je vous assure, je ne l'ai pas vue. Puis après, je n'ai pas vu, oui, j'ai vu qu'elle ressemblait à Anna, mais en même temps, je n'ai pas vu que ça pouvait être sa fille. Bon, donc en fait, il croit voir, mais en fait, il ne voit rien du tout. Bon. La tautologie le prive de sens. Son réalisme technicien le prive radicalement de sens. C'est à partir de là, et c'est en fait là-dessus que j'insisterai pour finir, hein, ce sera le tout dernier point de ce que je voulais souligner à propos de ce film, c'est justement la question de la répétition. Hein, parce que c'est parti de là, la répétition standardisée des objets techniques selon le même modèle. On retrouve ici le fait que cet homme, qui est nous, qui est chacun de nous en même temps, hein, mais caricaturé évidemment, finalement sa maladie, c'est la répétition. Dont il ne peut absolument pas sortir. La répétition tautologique, la répétition qui est à l'origine de la probabilité. Parce que dès qu'on fait de la probabilité, ça n'est valable que dans la répétition. Hein. Pour savoir qu'il y a 10% de gens qui meurent d'une piqûre de cette vipère-là, il faut en effet qu'il y ait au moins 500 personnes qui en soient mortes. Si, on ne peut pas faire des probabilités avec un seul cas. Hein. Donc, la répétition, c'est le principe du calcul, de la tautologie, et donc d'une vérité qui, en même temps, voilà, fait perdre l'essentiel, la singularité, la nouveauté, la capacité à reconnaître une personne dans son individualité. Et c'est pour ça que dans son rapport avec les femmes, finalement, ce rapport est entièrement répétitif. Pour lui, les femmes sont toutes équivalentes. Alors, elles sont toutes équivalentes, ou d'une autre manière, un tout petit peu plus romantique, elles ressemblent toutes à Anna. Donc il n'est pas surpris que Zabeth ressemble à Anna, puisque toutes elles ressemblent à Anna. Hein. À propos de la Bible, ce que j'ai oublié de souligner d'ailleurs, c'est qu'elle s'appelle Élisabeth, sa fille. Hein, et quand il entend son prénom, il dit « Oh, c'est bizarre, j'aime pas beaucoup Élisabeth ». Et c'est lui qui, en fait, préfère l'appeler Zabeth. Élisabeth, ça veut dire « je prête serment à Dieu ».
Ah, donc ça renvoie encore directement à Abraham. Mais ce qui lui plaît pas, en fait, c'est le Élie. Hein, c'est Dieu, en fait. Donc, il préfère dire Zabet. C'est juste, je prête serment. Bon, alors maintenant, est-ce que ça lui convient mieux à lui encore, je prête serment, quand vous voyez sa relation avec le mariage et sa manière de se défausser, c'est pas sûr que ça lui convienne plus. Bon. Pour revenir à la question de cette répétition, bah, il le dit en fait, hein, dans le roman, je le cite. Mon erreur avec Zabet, la répétition. Je me suis comporté comme si l'âge ne comptait pas, contrariant la nature. Nous ne pouvons pas faire abstraction de l'âge en continuant à additionner, en épousant nos propres enfants. La propre addition, la propre répétition, hein, fait que finalement, épouser ses propres enfants, ce serait épouser n'importe qui de la même génération. Hein. Il se trouve que là, en plus de ça, c'est vraiment son enfant. Ce qui nous renvoie à une phrase de Kierkegaard. Hein, après tout, il voulait la répétition, il l'obtint, et celle-ci l'anéantit. Quand on est vraiment pris dans la répétition, ça ne mène finalement qu'à la mort. Alors, il y a une chose qu'on ne voit pas dans le film et qui se trouve également dans le roman, c'est une division en deux stations. Première et deuxième station. Alors, la station, là aussi, le vocabulaire est biblique, il peut être celui des évangiles. Hein, c'est les stations mystiques, les étapes mystiques. Bon, là, il n'y en a que deux. Quasiment tout le film ne filme que la première station, sauf en fait les dernières images. Parce que la première station, c'est les deux tiers du film, du roman, et dans le dernier tiers du roman, en fait, on le voit pas ici, mais Homo Faber est malade, il a un cancer, en fait, il va mourir. Bon. Et ce qu'il décide de faire, tant qu'il n'est pas hospitalisé, tant qu'il peut encore voyager, c'est de faire un voyage où, en fait, il va repasser par les mêmes endroits, hein, revivre à nouveau une histoire d'amour avec une fille qui est aussi jeune que Zabet, sauf que c'est pas vraiment une histoire d'amour. En fait, il se découvre qu'il est devenu complètement impuissant. Et là, il se rend compte que, en fait, on peut pas répéter sa vie. Que c'est pas possible, hein, de répéter. Et là, se pose un problème qui, en fait, est très kierkegaardien, c'est celui de comment est-ce que, quand on est pris dans la répétition, on en sort. Et Kierkegaard dit, on en sort par la reprise, hein, c'est-à-dire en distinguant une répétition du même et une répétition qui crée de la différence. Et ce moment de reprise, c'est pas dit explicitement ni dans le roman ni dans le film, mais en fait, c'est quoi la reprise? En fait, ce sont les. Elle est double, c'est l'écriture et c'est le cinéma. Parce qu'en fait, ce roman s'appelle Homo Faber un rapport. Et pourquoi ça s'appelle un rapport? Parce que Homo Faber ne cesse d'écrire tout ce qu'il fait. Et donc, le livre lui-même n'est que le manuscrit de Faber, racontant sa propre vie. Et donc, disant, je vois les choses comme elles sont, etc., etc., etc. D'où un style aussi très neutre du roman, hein, où Max Frisch, il sait tout faire. Hein, donc, voilà, tout ça est dit d'une manière extrêmement objective. C'est de la littérature avec une sorte de degré zéro de l'écriture, en fait. Hein, bon. Et c'est parce que Faber aussi ne comprend rien aux femmes qu'il a besoin d'écrire. Il les écoute pas, mais en revanche, il écrit tout ce qu'elles disent. Bon. Et en plus de ça, ce qu'on ne voit pas ici, ce qui est masqué, mais Dindo joue aussi sur cet élément manquant, il filme tout ce qu'il vit. Donc, il fait des choses trois fois de suite. Il les vit, mais il ne croit pas à la vie, il ne croit pas à l'expérience vécue. Donc, il écrit tout. Et en même temps, comme l'écriture ne suffit pas, et ben en plus de ça, il filme. Donc, il fait les choses trois fois de suite. Et finalement, ce qu'il fait à la fin... pour des raisons qui sont un petit peu contingentes, parce qu'il veut montrer ses films à des collègues d'un de ses amis, tout ça, quelque chose qui n'est pas du tout reprise ici, mais c'est qu'importe. Ce qu'il fait à la fin, c'est qu'il revisionne ses bobines. Et donc, sa bête est morte, et donc, il revisionne pas simplement elle, en fait, il revisionne quasiment toute sa vie, hein, et dans ses bobines, il y a celle de la Grèce, et donc, il revisionne aussi... ces films de Zabel. Et là, évidemment, l'écriture, le film, vient jouer un autre rôle qui est celui de conserver ce qui a été perdu. Et là, il y a véritablement la reprise, c'est-à-dire une sorte d'accès au sens de Walter Faber. C'est la deuxième station, c'est la station mystique. Hein, et c'est ces dernières scènes. Hein. On peut dire que tout le film, c'est jamais que les bobines de Faber, de même que tout le roman, c'était son rapport. Hein. Donc Dindo reprend cette idée-là.
Tout le film, c'est les bobines de Faber, mais encore plus les dernières. Hein, et celle où, dans ce qu'il dit lui-même, c'est une déploration, c'est-à-dire ce qui est perdu est véritablement perdu, et en même temps, dans la perte, c'est conservé. Et c'est conservé par quoi ? Ben, par le film, en fait. C'est-à-dire par l'art le plus technique qui soit. Où, justement, le même Benjamin disait... bon, le problème du film, c'est que c'est entièrement répétitif par rapport à la réalité. Hein. Et là, on voit que cette répétition-là est une véritable reprise, c'est-à-dire c'est l'archive de la vie qui la maintient comme telle au-delà de la mort. Hein, d'où ces phrases aussi qui sont répétitives, ses bras qui ne sont plus, ses yeux qui ne sont plus, etc. Alors qu'on la voit, et on la voit dans toute sa jeunesse, Zabeth. Donc voilà, il y a cette, on est à ce moment de la reprise. Et ce sera la dernière chose que je dirais, c'est pour ça que c'est aussi, bon, évidemment, comme tous les films, un film sur le cinéma. Mais justement, l'adaptation de Schlondorf, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire c'est le film en tant qu'il rend les choses vivantes, hein, parce que bon, l'écriture est neutre du roman. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer tout ça en dialogue, rescénariser. Alors Homo Faber, évidemment, il couche avec l'hôtesse de l'air, dans les toilettes de l'avion, etc. Ça devient un film américain banal. Bon, banal et qui d'ailleurs a assez peu marché parce que, Volker Schlondorf, il a réinventé une histoire, mais il n'y a plus rien du génie du roman. Et donc, voilà, ça n'a pas grand intérêt. Pourquoi ? Parce que le film n'est pas simplement là pour faire revivre comme sorte d'art total, parce qu'il aurait la chance d'avoir à la fois les mots, la musique et les images. Hein, c'est pas comme ça que ça marche. Et là, justement, ce que l'on voit, c'est que le décalage est maintenu en permanence. C'est-à-dire que les images, finalement, sont muettes. On retrouve le film muet. C'est-à-dire les images ne parlent pas. Et on retrouve le roman qui, lui-même, comme écriture, ne peut pas rendre compte des images, même si on sait que l'auteur filme. Donc il y a un décalage constant et qui est maintenu jusqu'à la fin. Et qui justement peut rendre compte à partir de là de ce qu'on a perdu, hein, le fait qu'on perde l'image dans l'écriture, le fait qu'on perde le texte dans une photo, hein, et le fait que tout soit comme cela entre perte et entre ce que l'on perd et ce que l'on garde, fait qu'on est entre la vie et la mort et qu'on est aussi entre l'image et l'écriture. Et tout ça en fait, ce sont les mêmes décalages. Hein, et c'est pour ça que c'est sur ça que repose cette dernière scène qui donc dit quelque chose directement sur ce que c'est qu'en fait que à la fois que la littérature, le cinéma et la possibilité pour l'un de vivre à côté de l'autre, hein, surtout pas pour l'un d'accomplir l'autre. Toute dernière chose, c'est ce qui est dit sur Zabeth, justement le fait de la revoir comme cela. Hein, où, Walter Faber, revoyant ce film, dit qu'il la voit debout dans la lumière. Et il y a cette insistance parce qu'en fait, il reprendra ses derniers mots en fait quand il est à l'hôpital. Il demande qu'on détruise toutes ses notes. Et on ne sait pas s'il va mourir en fait. Hein. Il a une probabilité, lui, très forte de mourir avec son opération du cancer, mais peut survivre, peut-être avoir encore quelques semaines, mais avant de se faire opérer, donc. Fait quand même un testament et dit qu'on détruise son manuscrit, que tout disparaisse. Hein, et il redit ce qu'il a éprouvé en voyant Zabeth, c'est-à-dire ce qui compte en fait, la seule chose qui compte, c'est ce qui nous rend éternels, c'est de tenir, c'est d'avoir tenu dans la lumière. Et ce mot de tenue, hein, qui traverse tout l'idéalisme allemand, hein, de la résistance, du maintien, du fait de tenir debout, hein, c'est l'image même de la vie et c'est le cinéma, hein. Tenir debout dans la lumière, c'est ce que fait chaque personne, hein, et quelque sorte pour l'éternité tant que le film existe, hein, en tant que justement il a été filmé.